Je vous assure que les magistrats de mon parquet ne seront pas vos associés obligés dans le traitement de vos affaires. Nous appliquerons le droit en toute impartialité pour apporter une réponse adaptée à la gravité des agissements et à chaque situation humaine. Notre parquet ne sera pas une polyclinique, voire une boutique. Notre parquet ne sera pas une polyclinique, voire une boutique. À bon entendeur, ça Aussi, je vous invite à exercer votre noble profession en bon auxiliaire de la justice et à nouer de bons rapports professionnels en toute responsabilité avec le parquet de Bordeaux. Mesdames, Messieurs les défenseurs des droits humains, chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits ou crimes, de poursuivre et de défendre dans toutes les causes qui intéressent l'État. Le parquet procède d'office dans toutes les affaires qui intéressent la société en général. À ce titre, je vous donne la garantie que mon parquet sera toujours au carrefour de l'ordre public et de la loi en poursuivant dans le respect des droits de la personne poursuivie sans jamais détourner son regard de toute personne victime.
mesdames, messieurs, constituant le personnel administratif. Je compte sur votre collaboration sans fin pour transformer le parquet et lui permettre de remplir les diverses attributions au bénéfice de la population. À tous ceux à qui je n'ai pas adressé des mots spéciaux, je vous considère comme des usagers de la justice ou des justiciables. Soyez-en certains que je suis revenu au parquet pour redonner confiance à la population. Car, bien avant d'avoir accepté cette fonction, je travaillais dans un projet de renforcement de la cohésion sociale au travers des mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnelle avec M. Arnaud Royer, le directeur des droits de l'homme au niveau du Bureau intégré des Nations Unies. Je vous assure que vous pouvez compter sur moi, sur le parquet que je vais diriger pour que vous vous sentiez considéré en tant que plaignant et même en tant qu'accusé. Je vous dis, le parquet de Port-au-Prince est votre parquet puisqu'il va parler en votre nom. C'est au nom de la société. Bien sûr, je suis un agent de l'exécutif dans le judiciaire. Vous allez le comprendre. Mais le ministère public prendra la parole en votre nom alors que nous n'avons pas de mandat, nous n'avons pas été aux élections. Mais soyez certains que durant mon passage au parquet de Port-au-Prince, il y aura un commissaire du gouvernement de la ville qui va travailler ensemble avec les autres acteurs de la police judiciaire dans le respect mutuel pour que la justice recommence à donner confiance à vous et à vous tous. Je vous remercie, monsieur le doyen, pour cette prestation de serment. Je vous remercie, monsieur le directeur général du ministère de la Justice. Et sur ce, je n'ai plus rien à dire. Cela est possible afin de faciliter la direction effective de la mise en mouvement des policiers. J'attends que vos services de police judiciaire du département, acteurs principaux de l'enquête, réagissent en temps réel, comme avait dit le doyen, et informent immédiatement le parquet de tous les crimes et délits commis sur le ressort de la juridiction de Port-au-Prince. J'attends que vous réagissiez, que vous exécutiez les éventuelles instructions de poursuite d'enquête, de qualification des infractions et enfin de présentation au parquet. Dans le cadre de nos rapports fonctionnels, le parquet contrôle conjointement et par défaut avec les juges de paix des enquêtes et les gardes à vue. Je suis confiant que je peux compter sur votre appui. Votre saine collaboration par les défis auxquels nous devons faire face sont de taille. Mesdames, Messieurs, les substituts, commissaires, chers collègues, parallèlement aux démarches entreprises pour la satisfaction de votre juste revendication d'égalité de traitement avec les magistrats assis, je vous lance un appel au respect de notre devoir d'État, de magistrat, pour agir ensemble et constamment au nom de la société, en toute responsabilité et toute éthique, dans le respect des principes de fonctionnement du ministère public, afin de redonner confiance aux justiciables, comme l'a demandé le doyen, en général et surtout à tous les professionnels du droit de cette juridiction. Ayons l'ambition de nous impliquer non seulement dans une action publique rapide, efficace et ferme,
mais aussi dans le contrôle des gardes à vue, des lieux d'incarcération et de gestion des détenus, pour à la fois éviter l'impunité et veiller au respect des droits de toute personne privée de sa liberté. Cher juge de paix de la juridiction, agissant en tant qu'officier de police judiciaire, je compte beaucoup sur votre implication dans la mise en mouvement de l'action publique pour aider le parquet à respecter les délais de police et à saisir à temps la juridiction de jugement. Vous êtes sans nul doute un maillon important dans la chaîne pour assurer non seulement l'efficience des enquêtes et l'efficacité de la justice pénale, mais aussi la paix dans votre juridiction. Mesdames, Messieurs les officiers publics ministériels, Messieurs les arpenteurs, vous avez besoin de vous rappeler à quel point je compte sur votre discipline et votre rigueur dans l'accomplissement de votre charge si importante pour assurer la sécurité juridique et particulièrement la sécurité foncière dans cette juridiction. Mesdames, Messieurs les officiers d'État civil, je connais les sérieuses difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre charge. Et bien souvent, on vous tient responsable des défaillances et des irrégularités relevées dans le fonctionnement de l'organisation de l'État civil. Vous pouvez compter sur moi pour mieux accomplir vos diverses missions en vue d'assurer le respect du droit de toute personne à avoir un acte de naissance pour retracer des actes d'État civil en toutes circonstances. Chers avocats du barreau de Port-au-Prince, chers avocats,